Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous n'allons pas vider des placards, mais nous allons plutôt décorer les toilettes visiteurs. Sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, je pense que vous connaissez déjà mon hall d'entrée, ensuite il y a le placard des visiteurs et les toilettes des visiteurs se situent à droite. La porte que vous voyez en face, c'est donc le mudroom que j'ai nettoyé la semaine dernière. Alors, comme vous voyez, c'est un no man's land, c'est-à-dire c'est un endroit où il n'y a personne. J'ai mis cette pièce entre parenthèses, depuis le Covid, il n'y a pas de visiteurs. Donc c'est quelque chose qu'on ouvre peut-être deux fois le mois comme ça, juste pour nettoyer. Et je vais d'abord changer les lumières qui ont terni, qui sont vraiment ternes, et je vais mettre de nouvelles lumières. Donc je pense que c'est le moment de donner un petit refresh, et bientôt c'est l'été, la saison des invitations, donc cette pièce a besoin de revivre. Donc vous voyez là avec cette couleur terne, alors ça fait un peu boring, vraiment c'est d'un ennui, et en changeant les lumières ça va donner un peu plus d'éclat. Alors pour changer les ampoules, j'ai appelé donc mon associé, mon premier fils Ryan, qui va changer donc toutes les ampoules. Ensuite il va prendre les mesures, accrocher les tableaux, accrocher les étagères. Alors nous allons commencer par sous l'évier. Là je vais mettre juste deux paniers. Alors le premier panier c'est du papier hygiénique, et dans le deuxième panier je vais mettre des produits désinfectants. Alors passons au comptoir maintenant. Je vais mettre ce pot de fleurs. Il ne faut surtout pas encombrer le comptoir. Je vais mettre ce set de savon liquide et d'une lotion. Donc vous voyez là, j'ai vraiment mis l'essentiel, un peu d'esthétique, un peu de fonctionnalité. Il ne faut surtout pas encombrer le comptoir. Je vais maintenant passer à cette étagère murale. Je vais mettre cette plante. Ensuite, comme je dis toujours, fonctionnalité et esthétique. Ensuite, je vais mettre ce petit pot. Alors, c'est un diffuseur. Je pense que le parfum, c'est Magnolia. Ensuite, je vais mettre ce room spray. Et je vais mettre un petit gel désinfectant. Vous savez, avec le Covid, tout le monde met du gel. Alors, je vais prendre maintenant mes petites serviettes que je vais mettre dans un panier. Je vais les enrouler. Ensuite, je vais prendre donc ce panier que je vais mettre sur le top des toilettes. Et je vais commencer à remplir donc ce panier avec les toutes petites serviettes que j'ai pliées au préalable. Alors ces petites serviettes ne coûtent pas cher, vous pouvez avoir un pack de 6 serviettes à 4$, quelque chose de ce genre. Je les ai achetées à HomeSense ainsi que le panier. C'est très pratique parce que quand vous recevez, chacun peut s'essuyer les mains, après vous remplacer. Vraiment, c'est pas ce qui manque dans la maison, j'en ai beaucoup. Et c'est beaucoup plus hygiénique au lieu d'avoir une seule serviette pour tout le monde. Et en plus avec le Covid, tout le monde est un peu parano. Donc c'est très pratique. Alors de ce côté du mur, je vais mettre d'autres serviettes, les plus grandes. Et par-dessus, je vais ajouter ces deux petites serviettes jaunes, juste pour matcher les serviettes qui sont dans le panier. Alors, dans ce coin, je vais placer donc cette petite table avec effet miroir et je vais y placer une boîte à mouchoirs. Et de ce côté, je vais mettre donc ma poubelle, une poubelle à couvercle. Je préfère quand c'est fermé au lieu qu'on voit tout ce qui se passe.
Et voilà, c'est terminé. Alors, c'est une petite pièce, donc ce sera une petite vidéo. Et je suis très satisfaite du rendu final. Cette pièce avait juste besoin d'un peu de couleur, d'un petit refresh, bref, de renaître. C'était une pièce qui était vraiment oubliée de la maison. Mais maintenant, elle va revivre. Voilà à quoi elle ressemblait quand elle était encore aux oubliettes. Mais maintenant, elle a repris des couleurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Entre-temps, n'oubliez pas que ma chaîne parle de décoration, de rangement, d'organisation, de propreté. Bref, de tout ce qui touche à la maison.